Bonsoir et bienvenue aux Rotariens et aux invités qui participent à ce webinaire, qu'ils soient au Liban, en France, aux États-Unis, à Bahreïn, en Italie ou en Allemagne. Avant de passer à l'événement que nous attendons tous, je souhaite partager avec vous le calendrier des événements futurs de notre club. Le 4 octobre, nous aurons Past District Governor Jamil Maouad qui parlera des Strategic Planning Preparations for Success. Le 6 octobre, nous aurons M. Issam Azouri qui parlera du Controlling Food Loss and Food Waste in Lebanon, a National Duty and a Personal Action. Le 20 octobre, nous aurons un workshop avec M. Samir Zahil qui parlera du Leadership Best Sacrosanct Rules. Et le 27 octobre, nous aurons Mme Roula Hariyo Zahar et M. Nicolas Boukhatir, du Rassemblement des dirigeants et de chefs d'entreprise, qui parleront du système de subvention et des challenges. Le 3 novembre, nous aurons Mlle Christiane Hajjar, Mlle Sarah Chalabi et Mlle Rada Mermeri, qui parleront de mission éducation. Le 10 novembre, nous aurons Dr. Georgette Zinati, qui parlera de Women Helping Empower Women, Helping Small Women Business in Lebanon. Et finalement, le 17 novembre, nous aurons M. Iyad Boustani qui nous parlera du fédéralisme. Bien que fondée en 1905 et présente dans près de 200 pays, tout le monde ne sait pas ce qu'on fait au Rotary. C'est pourquoi je vais laisser la parole à notre président, Ronnie Farra, qui est le mieux passé pour en parler. Président Ronnie, la parole est à vous. Merci, Rodolphe. Laissez-moi expliquer à ceux qui ne connaissent pas notre mouvement qui nous sommes. Le Rotary Club Beirut Cedars est un club de 36 membres créé il y a 11 ans. Au Liban, il y a 28 clubs avec 600 membres. Le Rotary est un réseau mondial de 1 200 000 décideurs solidaires qui voient un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Il a été fondé par un avocat. Depuis plus de 110 ans, les membres du Rotary utilisent leur passion, leur dynamisme et leur intelligence pour passer à l'action. Qu'il s'agisse d'alphabétisation, de paix, d'eau et de santé, nous travaillons avec détermination pour améliorer les conditions de vie dans le monde et nous honorons nos engagements. Les membres du Rotary sont convaincus que nous devons tous passer à l'action pour résoudre les problèmes les plus pressants dans le monde. Dans quoi est-ce que notre club est impliqué? Premièrement, construire la paix. Afin de garder la paix sociale pendant la pandémie, nous avons distribué des caisses alimentaires à plus de 14 000 familles et des plats chauds à plus de 18 000 personnes. Le coût de l'opération s'est élevé à $265 000. Deuxièmement, combattre les maladies. Et notre club a aidé, après le 4 août, 7 hôpitaux distribuer des vaccins, distribuer du matériel médical, des médicaments, des générateurs d'oxygène. Et le coût de l'opération s'est élevé à $1 250 000. Troisièmement, le Rotary s'engage à apporter l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène. À cet effet, nous avons reçu de la Grande-Bretagne plus de 330 filtres à eau et nous les avons distribués dans les régions qui ont été touchées par l'explosion et qui n'avaient pas d'eau potable. Et nous en avons donné à l'armée pour les prendre dans les postes frontaliers. Quatrièmement, soigner les mères et leurs enfants. Et nous avons, à travers Optique et Vision, vérifié la vue de 100 mamans avec des lunettes adaptées et distribué plus de 330 cadeaux aux enfants à Noël. Coût de l'opération, $5 000. Soutenir l'éducation. Nous avons ouvert 3 bibliothèques publiques, payé les scolarités, offert des lampes solaires et des lampes à batterie rechargeables. Nous avons offert plus de 140 tablettes et remis en service l'IT de plusieurs établissements scolaires. Coût de l'opération, $1 296 000. Sixièmement, développer les économies locales. Et le club a rénové 30 maisons détruites par l'explosion, offert du fuel à 120 maisons dans la Beka, offert des canettes de gaz, distribué des matelas et des couvertures,
et réparer le camion de la défense civile endommagé par l'explosion du 4 août. Coût 161 000 $. Septièmement, nous soutenons l'environnement et nous nettoyons hebdomadairement tous les samedis la plage allant de Leyubi jusqu'à Manara avec un budget de 5 700 $. Nous nous mettons au service des autres et nous faisons la promotion de l'intégrité, de la compréhension mutuelle, de la bonne volonté et de la paix à travers notre réseau de professionnels et de leaders locaux et internationaux. Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Nous invitons tous ceux et celles qui souhaitent mieux nous connaître ou qui souhaitent se joindre à nous d'aller sur notre site web rcbeirutseeders.org. Merci. À toi, Rodolphe, pour présenter notre conférencière, professeur Marie-Claude Najma. Merci beaucoup, Président. Avant de présenter notre conférencière, je souhaite informer nos Rotariens et nos invités qu'ils auront la possibilité, pendant l'intervention de professeur Marie-Claude Najma, de poser leurs questions. C'est tout simple, ils vont sur Q&A, ils cliquent dessus, ils posent la question qu'ils souhaitent. Si par contre, ils voient qu'une personne a déjà posé la question qu'ils voulaient poser, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mettre un like dessus et nous poserons à la fin de la session les questions qui auront eu le plus de likes. C'est pour cela, sans plus tarder, je vais présenter notre conférencière, professeur Marie-Claude Najma, agrégée des facultés françaises de droit. Elle est professeure à la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, présidente de la section de droit privé et directeur du Centre d'études des droits du monde arabe. Marie-Claude Najma a renseigné pendant plusieurs années en qualité de professeure invitée à l'Université Panthéon-Assas et à l'Université Panthéon-Sorbonne. Elle est également avocat au barreau de Beyrouth, exerçant des activités de consultation juridique. Née à Beyrouth le 6 avril 1971, Marie-Claude Najma est titulaire d'une licence en droit libanais et d'un diplôme d'études supérieures en droit privé de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, ainsi que d'un doctorat en droit international privé de l'Université Panthéon-Assas. Ses publications portent essentiellement sur les conflits de loi et de juridiction, notamment dans les systèmes juridiques pluralistes et incluent notamment les principes directeurs du droit international privé et conflits de civilisation, relations entre systèmes laïcs et systèmes religieux. Lebanon Country Report on Private International Law, The Enforcement of Foreign Judgments in Lebanese Private International Law, in Filiation and the Protection of Parentless Children Towards a Social Definition of the Family in Muslim Jurisdiction. Marie-Claude Najma a participé à de nombreuses initiatives de la société civile libanaise. Elle a été un membre fondateur et actif de la campagne Khalas, lancée en 2007 et visant à trouver une solution pacifique et contraignante à l'impasse politique de l'époque. Et s'est récemment engagée dans l'intifada populaire non confessionnelle, exigeant un changement profond dans la culture politique au Liban. Nommée ministre de la Justice dans le gouvernement de Hassan Diab, Marie-Claude Najma présente sa démission après l'explosion du 4 août 2020. Sur le plan familial, Marie-Claude Najma est mariée à Dr. Daniel Huber et maman d'une superbe jeune fille de 11 ans, Sarah Marie. Professeur Marie-Claude Najma, la parole est à vous. Merci beaucoup Rodolphe pour cette présentation élogieuse et puis notamment pour ma jeune fille. Merci à Roni Farra et à Tony Caldani et à tous les membres du Rotary. Je voudrais vous dire bien sûr tout l'intérêt et le plaisir que j'ai de pouvoir, même virtuellement, on s'y habitue maintenant, participer à cette rencontre et vous remercier infiniment de m'avoir conviée. On avait convenu de cette date avant la formation du nouveau gouvernement, donc je fais cette petite conférence en étant plus soulagée
plus à l'aise, même s'il y a beaucoup de travail toujours, n'est-ce pas? Mais au moins, voilà, on est, il y a un poids comme ça qui nous pesait très, très lourdement pendant ces 13 mois qui ont suivi la démission et qui étaient proprement invivables parce qu'on voyait le pays s'effondrer et que nous n'étions pas en mesure de faire ce qu'il fallait faire, mais on y reviendra. Alors, sur les défis de la justice, c'est un sujet que nous avions choisi parce qu'il s'inscrit au cœur de notre actualité. Vous savez que depuis que la Saoud a éclaté en octobre 2019, si on regarde, si on écoute ou on regarde un peu les slogans qui étaient scandés tous les jours dans la rue, les gens réclamaient la fin de l'impunité, les gens réclamaient la lutte efficace contre la corruption, les gens réclamaient la restitution des biens mal acquis. Et tous ces slogans, on le sait, sont condamnés à rester lettre morte en l'absence d'une justice indépendante. Et jamais, jamais dans l'histoire de notre pays, la justice n'a été à la fois autant sollicitée, autant appelée à agir et autant décriée et critiquée. Les magistrats libanais, les juges libanais sont réputés pour leurs compétences, ils sont réputés pour l'excellence de leur formation juridique, pour leur trilinguisme. Comment expliquer dans ce contexte que notre justice soit à ce point en crise, qu'elle ait autant de défis qu'elle ne soit pas parvenue à surmonter, qu'elle n'ait pas pu apaiser les conflits, qu'elle n'ait pas pu gagner la confiance des citoyens? Pourquoi depuis des décennies, alors que nous avons de très bons juges, nous n'arrivons pas à avoir une bonne justice, une vraie justice? Et c'est toute la question des défis de la justice. Et pour répondre à cette question, je ferai un peu appel aux casquettes un peu multiples, aux regards divers que j'ai eu l'occasion au cours de ma carrière de porter sur la justice. Il y a bien sûr le regard de l'avocate, il y a aussi et surtout le regard de l'universitaire, et il y a enfin, même si c'est une période un peu brève, le regard de l'intérieur, le regard de la ministre. Et donc, je vais essayer, avec ces regards divers, de vous livrer quelques éléments de réflexion, quelques pistes de réflexion pour identifier un peu les raisons de cette crise et les racines du mal, je dirais, parce que moi, j'aime bien aller aux causes profondes, aux causes structurelles de nos problèmes et non pas simplement d'en traiter les conséquences et puis d'explorer les remèdes. Mais je vais vous demander, je demande aux participants, évidemment que je ne connais pas, pour cela, d'accepter de m'entendre avec un esprit très ouvert, en mettant de côté les préjugés, les a priori, les appartenances politiques de chacun, tout ce que vous avez pu lire ou entendre dans les masses médias, parce que ce sont très souvent des erreurs et des approximations, pour ne pas dire plus. Alors, je vous demande de faire cela comme je me demande à moi-même aussi de le faire pour qu'on puisse très sincèrement, très ouvertement discuter ensemble et répondre à ces questions fondamentales. Je suis naturellement ouverte à toutes les questions et bien sûr à toutes les critiques. Je suis universitaire, un universitaire recherche les critiques. Mais la première critique que j'attends, que je recherche, en réalité, je la trouve d'abord dans mon propre parcours. Je fais moi-même mon autocritique et je suis toute disposée à entendre toutes les critiques et toutes les questions qui seraient appelées à être posées, sauf bien entendu des questions qui concerneraient le contenu de dossiers judiciaires qui ne relèvent pas forcément évidemment de mon ressort puisqu'ils relèvent des juges. Alors, avant d'envisager ces défis auxquels fait face notre justice et les moyens d'y répondre, il y a deux petites questions préalables que je dois évoquer avec vous pour qu'on puisse situer un peu le juge libanais, la justice libanaise. Il faut savoir dans quel contexte le juge libanais est amené à rendre justice. Quel est l'environnement politique et juridique dans lequel le juge exerce son activité? Première petite question. Deuxième petite question, elles sont grandes, mais je les résume ici. Quel est le rôle du ministre de la Justice? Quelles sont ses prérogatives? Quel est son rapport au juge? Il faut quand même éclaircir un peu cette relation du ministre au juge parce qu'il me semble que notre culture très profonde d'interférence du politique et d'immixtion du politique dans le judiciaire a poussé parfois les gens à penser que le ministre pouvait lui-même parfois se substituer au juge. Et évidemment non, et heureusement que non. Alors, à la première question, quel est le contexte dans lequel le juge libanais est amené à rendre justice? C'est le contexte de l'État libanais. Et très souvent, on entend dire que l'État libanais, c'est un État confessionnel.
En réalité, les choses sont plus nuancées. L'État libanais n'est pas un État confessionnel. Moi, j'irais même un peu loin et au risque peut-être de vous surprendre ou de vous choquer, je vous dirais que l'État libanais est un État laïque. Mais dans quel sens? Pas du tout dans le sens de la laïcité à la française. J'entends par là la nature de l'État libanais. C'est-à-dire que dans la Constitution, dans notre Constitution, l'État n'a pas de religion spécifique, ce qui n'est pas le cas en général des États de la région, dans lesquels la Constitution dit très clairement « Dinat Daoula l'Islam » ou par exemple dans l'État d'Israël, où, qui se revendique très clairement comme État juif. Donc l'État libanais ne consacre aucune religion d'État, il n'est dépositaire d'aucune religion, même si évidemment dans l'article 9 de la Constitution, il rend hommage au Très-Haut, il reconnaît la liberté de conscience, il reconnaît des prérogatives aux communautés, mais il n'a pas lui-même une nature religieuse. Alors, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'ai évoqué cette idée, parce que je vais en tirer des conséquences. Donc, l'État libanais n'est pas lui-même confessionnel, ce n'est pas un État religieux, ce n'est pas un État théocratique, mais il consacre un système qui est confessionnel, un régime qui est confessionnel sur deux points. Le premier point, c'est sur le plan du droit public. Les hautes charges politiques et les fonctions de première catégorie, vous le savez, sont réparties entre les différentes communautés religieuses. C'est ce qu'on appelle dans la Constitution « Ta'ifiyé-Siyé ». Et sur le deuxième plan, c'est celui du droit privé. Dans les matières du statut personnel, « Ahwal-Sharsiyé », vous savez que le droit libanais connaît autant de statuts personnels que de communautés historiquement reconnues, chrétiennes, musulmanes, druzes, etc. Et ces statuts sont appliqués par des tribunaux propres à chacune de ces communautés. Ça, c'est un pluralisme juridique qui mérite à lui seul une conférence, mais je n'ai pas la possibilité, évidemment, maintenant de m'y attarder. Voilà la réponse. C'est dans ce système que le juge libanais est appelé à agir. Et on verra plus tard pourquoi j'en ai parlé. La deuxième petite question d'introduction, c'est le rôle du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, bien sûr, est chargé d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice. Mais le ministre de la Justice, il faut que ce soit clair pour tout le monde, ne peut pas enquêter, ne peut pas instruire, ne peut pas juger, ne peut pas arrêter quelqu'un, ne peut pas remettre en liberté, ne peut pas, ne doit pas appeler le juge. C'est un principe fondamental d'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors non seulement il ne peut pas, mais il ne doit pas. Parce que le ministre, c'est le pouvoir politique. Même un ministre de la Justice, c'est un pouvoir politique. Donc, pour ce qui concerne les dossiers judiciaires, la manière avec laquelle ils sont gérés, traités, les mesures qui sont prises par les juges, il faut qu'il y ait une cloison étanche entre le ministre et le juge. Et si le ministre, d'emblée, ne se soumet pas à cette étanchéité, eh bien, s'il appelle le juge ou s'il interfère dans un dossier, le juge, normalement, doit lui claquer le téléphone au nez en lui disant « faites votre boulot et moi, je fais le mien ». Alors, lorsque des gens m'interpellent et me disent « pourquoi vous ne nous aidez pas dans ce dossier, il y a une injustice profonde », je leur réponds, même si parfois ça peut les vexer ou les blesser, que vous manifestez vous-même pour l'indépendance de la justice. Vous ne pouvez pas demander au ministre d'intervenir dans un dossier, parce que soit on respecte la loi, soit on ne la respecte pas. Et dans ce pays, notre grand problème, c'est qu'on a très souvent mis de côté la loi et les institutions. Souvenez-vous d'ailleurs récemment du tollé provoqué par le jugement qui avait été rendu dans l'affaire El Latanous. Quand l'Ordre des médecins avait réagi, je leur avais expliqué très clairement par écrit que je n'avais aucun rôle là-dedans et que je ne pouvais pas m'opposer à une décision de justice. Alors, tout ça ne veut pas dire que le ministre n'a pas de rôle, au contraire. Le rôle du ministre, c'est d'assurer un environnement propice à la bonne administration de la justice. Alors, il y a bien sûr tout l'aspect logistique, la gestion matérielle des palais de justice, etc. Mais il y a des prérogatives qui lui sont reconnues. Il a un rôle dans certaines nominations qui doivent être adoptées par décret, c'est lui qui propose les noms. Il peut formuler des observations sur le projet de permutation judiciaire qui est préparée par le Conseil supérieur de la magistrature, ce qu'on appelle Tashkil al-Qada'iyye. Il a un rôle à l'égard de l'inspection judiciaire, Taftish al-Qada'iyye, et il saisit l'inspection de toutes les questions et de toutes les plaintes qu'il reçoit sur l'administration de la justice. Mais il ne peut pas enquêter lui-même. Il a un rôle à l'égard du ministère public auprès de la Cour de cassation, mais ce rôle est très limité, c'est-à-dire qu'il peut
le ministre, lorsqu'il a connaissance d'une infraction et que le ministère public n'est pas déjà saisi de l'affaire, il peut lui demander d'agir, mais là, ça arrête ses prérogatives. Il ne peut pas dire au ministère public comment agir, comment traiter le dossier et comment enquêter. Il a enfin, bien sûr, un rôle important à jouer dans la modernisation des lois et on a effectivement fait beaucoup de travail sur ce plan. Et là, on doit coopérer, bien sûr, avec le Parlement qui a le dernier. Alors, toutes ces prérogatives, je les ai évidemment exercées au maximum de ce qu'on peut exercer, mais en ayant toujours à l'esprit un seul fil directeur. C'est un peu ma boussole, si vous voulez, dans chaque décision que j'ai eu à prendre, dans chaque dossier que j'ai eu à traiter. La boussole, c'était la suivante. Comment faire pour édifier l'État, pour renforcer l'État. Un État, bien sûr, un État, ce qu'on appelle un État civil, moi j'aime parler d'État laïque, qui donne aux citoyens directement, dans le respect de sa dignité humaine, ses droits. Alors, sur la justice elle-même, si on ferme un peu ces deux parenthèses, ces deux petites questions, et on les verra un peu de manière transversale, si on s'interroge sur ces défis, ils sont très nombreux, bien sûr, mais je vais essayer de résumer. En allant du plus conjoncturel vers le plus structurel, je dirais qu'il y a des défis d'abord qui sont des défis matériels. On ne peut pas les négliger parce qu'ils sont immenses. C'est comme si vous avez quelqu'un qui meurt de faim et vous lui dites « je vais vous apprendre à philosopher ». Non, il faut d'abord lui donner à boire et à manger. Donc, premier grand défi, ce sont les défis matériels, l'absence de moyens. Deuxième grand défi, et ça c'est beaucoup plus profond, c'est un défi qui est structurel, qui tient au système lui-même. Et je vais bien sûr m'attarder beaucoup plus sur cette deuxième partie en explorant un peu les remèdes au fur et à mesure de l'exposé des problèmes. Donc voilà, deux grands défis, si vous voulez, des défis matériels immenses. Le ministère de la Justice dispose d'un budget traditionnellement très limité. On a 0,5% du budget de l'État. Je me dis parfois que si la justice libanaise avait pu disposer d'une portion infime, mais vraiment infime, du budget dont à bénéficier par exemple le TSL, notre rentabilité judiciaire aurait augmenté au moins de moitié. Les juges ont très peu de moyens, ils ont des conditions de travail souvent déplorables, on les a vus, n'est-ce pas, sur nos écrans, les palais de justice sont dans un état de délabrement depuis parfois de très nombreuses années. Avec la crise actuelle, avec la dépréciation de la livre libanaise, nous n'avons pas eu évidemment les moyens de procéder aux améliorations nécessaires. Je vous donne un petit exemple pour vous donner une idée de mon budget pour les produits, je ne sais pas comment on peut dire, pour le mazout en fait, donc le mahroua, pour le mazout, pour l'ensemble des palais de justice du pays, de Nabati à Tripoli, à Baalbek, en passant par Beyrouth, Jdeidah, Baabda, etc. Par mois, c'est 5 millions de livres. Imaginez seulement comment on peut travailler convenablement lorsqu'on n'a pas l'électricité, qu'on n'a pas les moyens de faire fonctionner les générateurs, lorsque les générateurs, évidemment, existent et fonctionnent. Depuis le 4 août 2020, les générateurs qui fournissent l'électricité au ministère de la Justice ne sont pas fonctionnels. Depuis des mois, le générateur qui fournissait l'électricité au palais de justice de Beyrouth, de Baabda et de Jdeidah était en panne. L'Institut d'études judiciaires avait des dégâts très importants, des dommages très importants depuis l'explosion du 4 août et nous n'avions évidemment pas de moyens de les réparer. Alors, je me suis adressée aux États et lorsque les aides aux États étrangers, lorsque les aides étatiques tardaient à venir pour des raisons qui étaient essentiellement politiques parce qu'elles étaient suspendues dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement, j'ai sollicité les associations et je me disais que voilà, c'était difficile pour moi d'admettre cela, de me sentir impuissante et d'avoir à solliciter des associations privées pour faire quelque chose que normalement l'État devrait prendre en charge, mais je n'ai pas eu le choix pour essayer d'aider les juges à continuer à travailler alors que nous n'avons plus les moyens de leur offrir ce que nous pouvons leur offrir. J'ai assuré un accès gratuit aux bases de données juridiques de la bibliothèque de la faculté de droit de l'USJ, par exemple. Lorsque le TSL a réduit ses effectifs, j'ai demandé que les ordinateurs du personnel qui partait nous soient offerts comme donation. Bon, on en a payé quand même 49% pour que je puisse les redistribuer aux juges. Même chose pour les ouvrages. Donc, on essaye de travailler comme ça pour essayer de faire face un peu à ces défis
défis matériels immenses, et ils sont immenses aussi pour les enquêtes judiciaires et pour les enquêtes pénales, parce qu'il faut évidemment des technologies avancées, il faut une informatisation très avancée. Imaginez le temps perdu par les juges lorsqu'ils doivent traiter les dossiers à la main. Il y a un juge d'instruction qui reçoit un dossier, ou le ministère public qui reçoit le dossier avec l'enquête préliminaire qui est faite par la police judiciaire, et tout est écrit à la main. Il faut tout recopier, tout reprendre, il faut photocopier, envoyer, toute cette administration, cette bureaucratie qui retarde énormément l'efficacité de la justice. Voilà sur le premier point, je ne vais pas m'attarder davantage, je préfère parler un peu plus longuement, mais pas trop pour laisser quand même du temps aux questions, des défis structurels et de cette crise du système qui est en réalité la crise du système libanais lui-même. Parce que si on essaye de réfléchir un peu à notre justice, on voit que notre justice, elle souffre des mêmes maux, mots M-A-U-X, dont souffre notre État. D'où viennent les crises profondes de notre système? Elles viennent de la faiblesse structurelle de l'État libanais. Nous n'avons pas vraiment un État, nous avons des États confessionnels. Et vous savez très bien, on ne va pas faire de la langue de bois, ça a favorisé de l'extérieur l'emprise des puissances étrangères, l'alignement sur la politique des axes qui nous a coûté très cher. À l'intérieur, ça a aussi favorisé l'emprise des monopoles économiques et financiers, le clientélisme, la corruption, au détriment des politiques publiques, étatiques, des public policies. Et la justice n'a pas échappé à ce constat. Tout à l'heure, je vous disais, nous avons d'excellents juges, mais nous n'avons pas pu avoir une bonne justice. Parce que, précisément, la justice est victime de ce même mal qui mine notre État, qui mine la politique, qui mine les services de sécurité, qui mine le système économique et financier, qui mine aussi le système médiatique, ce système politique et confessionnel qui fait de l'État libanais un conglomérat de mini-États dans l'État. Et si on essaye de creuser un tout petit peu ces défis, ces difficultés, cette crise du système, évidemment, le premier objectif, le premier but, c'est d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et quand on parle d'indépendance judiciaire, il y a deux aspects. Il y a l'indépendance du système judiciaire, si vous voulez, qui est compris comme le pouvoir judiciaire, ou comme l'autorité. Il doit pouvoir exercer sa fonction indépendamment des deux autres pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Bien sûr avec une coopération, mais en toute indépendance. Et l'autre aspect de l'indépendance du judiciaire, il concerne le juge lui-même. Donc là, je veux parler du juge dans son individualité. Et ce juge a besoin d'un certain nombre de garanties. Je ne peux pas dire au juge, le lâcher complètement dans un système qui ne lui donne pas de garantie et lui dire, écoutez, finalement, vous devez compter sur votre courage moral, sur votre, le juge n'est pas censé être un saint. Bien sûr qu'il doit faire preuve d'autonomie, de force, de courage, mais il doit aussi, pour pouvoir affronter ce système, bénéficier de garanties très claires, à la fois vis-à-vis des ingérences externes, celle des autres pouvoirs publics et notamment de l'ingérence du politique, mais il doit aussi pouvoir faire face aux pressions internes. Les pressions internes et les ingérences internes, elles peuvent provenir des institutions judiciaires qui sont censées protéger cette indépendance, et elles peuvent provenir d'autres magistrats, des magistrats supérieurs, par exemple, dans la hiérarchie judiciaire. Et cette problématique, cette indépendance de la justice, cette efficacité de la justice qui est souhaitée, qui est nécessaire, elle est entravée, je dirais, de deux manières, essentiellement. D'abord, c'est le premier problème, par une certaine emprise de l'exécutif sur le judiciaire, ou une prévalence de l'exécutif sur le judiciaire. Ensuite, par les interférences de toutes sortes, et enfin, par l'extension du système confessionnel, du confessionnalisme politique ou de ce partage des quotas politiques, cette extension donc du politique vers le judiciaire, vers la justice. Et notre justice a été hélas inféodée à la logique de partage communautaire du pouvoir. Donc
trois problèmes, trois entraves, si vous voulez, à cette indépendance et cette efficacité du judiciaire. Le premier, j'ai parlé de la prévalence de l'exécutif. Dans notre Constitution, on a bien sûr une séparation des pouvoirs, mais cette séparation des pouvoirs, il ne suffit pas de l'affirmer comme un principe général, il faut la traduire effectivement dans toutes les lois qui réglementent l'organisation judiciaire. Or, si on regarde ces lois, on voit qu'elles confèrent un pouvoir très large à l'exécutif dans le recrutement des juges, dans l'évolution de leur carrière, dans les procédures disciplinaires, et tout ça va à l'encontre de l'indépendance judiciaire. Alors, bien sûr, on a au Liban des organes qui assurent l'organisation de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature pour les juges de l'ordre judiciaire, le bureau du Conseil d'État pour les juges de l'ordre administratif, et leur fonction principale est de garantir l'indépendance de la justice. C'est leur fonction principale. Alors, mais pour ça, il faut aussi voir si les critères d'indépendance et de représentativité sont réunis aussi dans ces organes. Parce qu'il ne faut pas non plus que ces organes deviennent à leur tour un instrument d'ingérence du pouvoir politique dans les affaires des juges. Et ça nous ramène au mode de désignation des membres de ces organes, au mode de désignation, par exemple, du CSM ou du bureau du Conseil d'État. Les membres du CSM, les 10 membres, sont désignés en majorité par le pouvoir exécutif. 3 qui sont désignés par décret en Conseil des ministres, 5 autres par décret sur proposition du ministère de la Justice. Il n'y en a que 2 qui sont élus par les juges et encore exclusivement par les membres de la Cour de cassation, donc à un échelon très élevé de la hiérarchie, alors qu'il faudrait quand même un processus plus démocratique. Donc, il ne suffit pas de confier la nomination des juges et le suivi de leur carrière à un organe qui est actuellement évidemment le CSM ou le bureau du Conseil d'État. Il faut que ce soit un organe indépendant et il doit répondre à certains critères. Parce que cet organe va jouer le rôle clé dans la nomination des juges, dans la gestion de la carrière des juges et dans les procédures disciplinaires à l'égard des juges. Il devrait pouvoir bénéficier d'une autonomie financière. Il devrait avoir son mot à dire dans le budget du pouvoir judiciaire. Il devrait, dans sa composition même, avoir une certaine mixité. Moi, je suis favorable, par exemple, à la présence d'universitaires ou d'avocats à côté des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature, parce que je pense que c'est un moyen d'ouvrir la justice à d'autres professions et de lutter contre le corporatisme, parce que la justice est l'affaire de tous, parce qu'elle concerne le justiciable en premier lieu. Alors évidemment, ces membres ne peuvent pas avoir leur mot à dire et ne seraient pas présents, bien sûr, dans tout ce qui concerne le parcours disciplinaire du juge, par exemple. Et ensuite, ces mêmes juges doivent être représentatifs du corps judiciaire à tous les niveaux. Donc, pour les juges élus, si on fait des élections, si les membres du CSM, et c'est le cas dans la proposition de loi, il faut que tous les juges, à tous les échelons de la hiérarchie judiciaire, puissent participer à ces élections et élire leurs représentants au CSM. Enfin, il faut aussi que la relation du CSM soit claire à l'égard du pouvoir judiciaire. Les gens se trompent parfois et pensent que le Conseil supérieur de la magistrature, et la magistrada là, dont je suis en train de parler, c'est un organe judiciaire qui est hiérarchiquement supérieur, qui est placé à la tête du pouvoir judiciaire. C'est faux. C'est faux. C'est un organe de nature administrative. Donc, même le plus petit juge, le plus jeune juge de la République est indépendant dans ses décisions. Le CSM n'est pas titulaire du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir dont est titulaire chaque juge de la République. Il est investi dans chacun des juges. Voilà le premier défi, j'allais dire. Le deuxième défi, c'est celui des interférences politiques ou autres, des interférences de toutes sortes, parce que les interférences, si vous discutez un peu avec les juges qui acceptent de parler, ils vous diront que très souvent, les interférences dans les dossiers judiciaires ne viennent pas forcément ou seulement des politiques. Les appels viennent des autorités religieuses, les appels viennent des juges supérieurs, parfois de personnes qui, dans le secteur privé, sont très influents, etc. Donc, c'est très diffus au niveau des interférences. Et aujourd'hui, je suis sûre que je vais avoir énormément de questions par rapport au dossier judiciaire qui est le dossier le plus,
qui est le plus mis en relief actuellement, qui est celui de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Évidemment, je ne peux pas parler du contenu de cette enquête, tout simplement parce que le contenu de l'enquête est entre les mains du juge d'instruction. Il n'est pas entre les mains du ministre, heureusement d'ailleurs. Mais si on essaye de voir un peu le tableau qui se présente sur ce dossier, et on pourra faire le parallèle aussi avec d'autres dossiers, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'un côté des personnes qui critiquent l'enquête, qui critiquent le juge, ou des personnes qui essayent de retarder l'enquête ou qui essayent de l'entraver. On voit aussi de l'autre côté parfois, il faut le reconnaître, des personnes qui font de la démagogie, du populisme ou de la surenchère, lorsqu'on affirme que face à un tel drame, on peut faire abstraction des textes de loi, qu'on oublie les textes. Non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter si on est juriste, parce qu'autrement, effectivement, qu'on oublie les textes et qu'on prépare l'échafaud. Il faut que nous ayons tous une boussole, une seule boussole, c'est le respect de la loi et des institutions. Et ça, c'est une logique à laquelle je tiens personnellement, parce que c'est mon rôle. Mon rôle est de suivre cette boussole et de mettre les points sur les i. Et je pense qu'ici, il faut distinguer deux choses. D'un côté, et je fais vraiment une distinction très claire entre les deux, tous les moyens juridiques, bien sûr, dont disposent les personnes concernées, les défendeurs, pour exercer leur droit à la défense, qui est un droit sacré. Tous les moyens, le droit de prendre connaissance du dossier, le droit de présenter des exceptions, ce qu'on appelle des exceptions d'incompétence, le droit de faire des recours, même le droit de demander la récusation ou le renvoi du juge, tout ça, et tous les courriers et les échanges de courriers qu'on a pu voir ou dont on a pu entendre parler dans les médias entre le juge d'instruction et les autorités concernées, le Parlement, les ministres qui étaient appelés à donner l'autorisation de poursuivre, le ministère public, tout cela, ce sont des droits, tout cela s'inscrit dans le débat judiciaire, dans le processus judiciaire. C'est le débat judiciaire, c'est le jeu judiciaire, c'est le jeu juridique. Donc, ce premier aspect, il est parfaitement normal, je dirais. Il suit le cours des choses. Mais il y a d'autre part, toutes les déclarations, et elles ne sont pas récentes, ça fait un moment déjà, des responsables officiels ou autres, sur la procédure, sur le dossier, sur le juge, en dehors de tous les courriers entre les concernés. Et il y a aussi toutes les campagnes dans les médias. Alors, tout ça, évidemment, ne fait pas partie du débat judiciaire. Et tout ça, c'est une pression sur les juges. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai été consciente au tout début du dossier, lorsque nous avons déféré le dossier de l'affaire de l'explosion du port de Beyrouth au Majlis Adl, qu'on peut traduire peut-être par cour de justice, et que j'ai eu à nommer le juge d'instruction, puisque c'est la procédure, après l'accord bien sûr du CSM, puisque je ne peux pas nommer le juge seul. J'ai appelé dès le début, dans toutes les interventions que j'ai faites, j'ai appelé dès le début tout le monde, à la fois les responsables et les médias, à laisser les juges travailler. Et les personnes concernées, laisser les juges travailler. Et lorsqu'ils font leur travail, eh bien, que toute personne concernée utilise les droits qui lui sont conférés par la loi, les moyens qui lui sont donnés par la loi pour se défendre, pour critiquer, et donc au lieu de politiser le dossier ou au lieu d'intégrer le dossier dans ce qu'on appelle chez nous le Tajezobet et le CSI. Et je pense effectivement qu'il faut ramener à la dimension juridique toutes les questions qui sont en train d'être posées, que ce soit la question des immunités, la question des déclarations politiques, des campagnes médiatiques, des menaces éventuelles dont on entend parler hier. Tout ça doit être ramené au droit et c'est la parole du droit qu'il faut entendre. Mais ce qu'on voit au-delà de ça, et j'aimerais faire le lien peut-être entre cette affaire et les autres affaires, et vous voyez comment dans tous les cas, je n'entrerai jamais dans le contenu de l'affaire parce qu'il ne m'appartient pas de le faire et je serai en train de violer la loi en le faisant. Mais je rappelle un peu les lignes générales qui doivent nous guider. Sur ce dossier, comme sur d'autres d'ailleurs, on a vu très souvent comment parfois les défendeurs ont reçu les protections de leur communauté ou des partis politiques dont ils sont proches.
Et c'est pour ça que je dis très simplement que les personnes concernées exercent leur droit à la défense s'ils considèrent que le juge viole la procédure, qu'ils utilisent les moyens juridiques pour le critiquer et qu'on ne lance pas des attaques qui ne servent pas l'intérêt du dossier. Et je ne peux pas isoler ce dossier de ce qu'on a vu dans d'autres dossiers. Sur la question, par exemple, des poursuites contre le gouverneur de la Banque centrale, on a vu ici aussi comment la politique est entrée dans le jeu. Alors même qu'il y avait des procédures lancées à l'étranger, alors même que le procureur général libanais a demandé aux autorités étrangères dans certains pays de geler les avoirs du gouverneur parce qu'il y avait des soupçons, je ne parle évidemment que de soupçons, la présomption d'innocence bien sûr est sacrée, des soupçons de détournement de fonds publics, d'évasion fiscale, d'enrichissement illicite, de blanchiment d'argent, de faux et d'usage de faux. Eh bien, il a bénéficié d'une protection au plus haut niveau, à la fois d'une protection de la part de certaines autorités religieuses, mais aussi de la part d'autorités politiques qui l'ont appuyé. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'affaires qui sont similaires à celles de l'explosion du port. Dans l'explosion du port, il y a du sang, il y a des morts, il y a des blessés, il y a une ville qui a été détruite, il y a une destruction collective. Mais c'est aussi une destruction collective d'un autre genre. Il n'y a pas de sang, mais il y a eu au Liban... du fait des politiques monétaires, économiques et financières qui ont été suivies. Il y a eu une destruction des moyens de subsistance de toute une population, de chacun de nous. Ce sont des crimes qui ne sont pas des crimes de sang. C'est une destruction économique et financière énorme, mais elle a poussé les Libanais à émigrer. Et c'est énorme. Moi, j'ai vécu le dossier du forensic audit depuis un an et demi, et souvenez-vous de tous les obstacles qui ont été mis à l'exécution du contrat. Et vous pouvez donner aussi d'autres exemples. Si on réfléchit au dossier du fioul, etc., comment lorsque certains dossiers ont été ouverts, les gens ont assuré des protections, lorsqu'il y a eu des incidents interdruses, comment la justice n'a pu arrêter personne ni d'un côté ni de l'autre. Tout cela pour vous dire que ce à quoi nous assistons dans ces différents dossiers, même si c'est beaucoup plus mis en relief dans l'affaire du port de Beyrouth, c'est une situation générale. Et je sais que dans tous les pays du monde, la politique essaye d'intervenir dans la justice. Et elle intervient en général au niveau des ministères publics, dans la poursuite. Mais dans les affaires qui touchent à l'intérêt de l'État, à la raison d'État, et qui sont généralement limitées, chez nous, tout est intérêt d'État. Parce que chaque communauté a un intérêt personnel, parce que nous ne sommes pas un État, nous sommes des États. Et lorsque, dès le départ, dans notre système judiciaire, on a une répartition confessionnelle, en tout cas une attribution des postes judiciaires en fonction des confessions, eh bien, on voit comment ça s'est passé. C'est un élément supplémentaire, un problème supplémentaire qui entrave l'indépendance de la justice. Et c'est le troisième et dernier point, c'est l'extension à la justice du confessionnalisme politique que je voudrais évoquer avec vous. Alors, j'ai souvent, très souvent parlé de cette question. Peut-être que je n'ai pas été très bien comprise, alors ce serait peut-être l'occasion de la clarifier. Et je veux évoquer ici ce que j'ai appelé la confessionnalisation des postes judiciaires. En fait, il s'agit de la pratique qui consiste à attribuer les postes judiciaires à des communautés ou à des confessions déterminées. Alors, c'est le cas pour les avocats généraux dans chacun des muhafazat, pour les premiers présidents dans chaque muhafazat, pour tous les postes en fait importants, mais pas seulement. Ce qui est plus grave encore, ce n'est pas seulement ça, c'est que la désignation des magistrats aux postes qui sont réservés à une certaine communauté, elle est évidemment soumise à l'influence des membres qui appartiennent à cette communauté. Et donc, c'est une pratique qui favorise le clientélisme politique dans les nominations judiciaires, l'intrusion du politique dans le judiciaire. Vous voulez, si on a un poste qui est réservé à la communauté sunnite, qui évidemment va interférer ici dans les nominations et pousser le juge qui va être nommé, c'est évidemment le leader ou le parti le plus puissant au sein de cette communauté religieuse.
Alors, ce n'est pas seulement le cas, c'est déjà le cas dans la désignation même des membres du CSM, sauf les deux membres élus, bien sûr. Elle se déroule, on ne va pas se leurrer, je ne veux pas porter des gants, comme on dit. Elle se déroule sur la base d'un partage des quotes-parts entre les leaders politiques les plus puissants dans leur communauté religieuse respective. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, qu'il peut pas y avoir de juges qui sont très bons, qui sont nommés. Non, bien sûr que non. Mais ça signifie concrètement que ces pratiques risquent de transformer le juge concerné en représentant de ce parti ou de cette partie politique au sein du CSM, par exemple, si on parle du CSM, ou dans la justice, dans les tribunaux, lorsqu'il s'agit des tribunaux. Donc, le juge devient un levier du système politique, alors qu'il est censé, au contraire, avoir une séparation étanche avec le politique. Et c'est la raison pour laquelle, dans… Excusez-moi de vous interrompre. Si, encore 2 minutes, si vous pouvez conclure, afin de donner le temps aux invités de poser leurs questions. 2 minutes vous vont pour clôturer? J'en avais effectivement pour une minute et demie. Alors, excusez-moi. Alors, c'est précisément pour cette raison que dans le projet de décret de nomination judiciaire que le CSM avait soumis en mars 2020, j'avais, dans l'avis écrit que j'ai communiqué, j'avais pris officiellement position contre la perpétuation de cette pratique qui consiste à allouer des postes judiciaires à des communautés religieuses spécifiques. Et j'ai demandé, et je demande toujours aux institutions judiciaires de se libérer de ce carcan dans lequel ils se sont enfermés. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, le CSM ne m'avait pas suivi à l'époque, je me suis arrêtée à mes prérogatives, j'ai dû signer et déférer le décret parce que je ne le laisse pas dans le tiroir. Dans les nominations qui relèvent de mon ministère, j'ai appliqué ces principes. Pour les postes de juge à l'inspection judiciaire, j'ai procédé à des nominations éloignées de ces critères politiques et confessionnels. Pour la première fois, les nominations étaient faites à l'issue d'une procédure inédite d'appel à candidature avec des CV, des entretiens pour choisir le juge approprié. J'ai fait la même chose lorsque, en mai dernier, le mandat des membres nommés du CSM a expiré. Je ne suis pas allée faire la tournée des responsables politiques pour recueillir les noms de leurs favoris. J'ai préparé moi-même la liste dans la catégorie dans laquelle je devais choisir évidemment les juges. J'avais consulté des avocats de confiance très actifs d'ailleurs dans les mouvements de la société civile et j'ai choisi des juges qui, à mon sens, auraient insufflé un esprit de débat, de renouveau au CSM, auraient rapproché le CSM de la base. Et c'est ensuite que j'en ai discuté avec ceux qui devaient signer le décret. Donc, j'ai fait la liste des noms et j'en ai discuté ensuite avec ceux qui devaient signer le décret pour les convaincre des noms proposés. Bon, ce décret n'a pas été adopté non plus. Donc, il me paraît très important à l'avenir que les institutions judiciaires s'insurgent contre ces pratiques. Il est très important aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais on ne peut pas parler de tout, que l'inspection judiciaire soit plus active et qu'elle relève le défi de l'auto-épuration. Moi, j'avais demandé au ministère public de poursuivre au pénal les juges déférés en conseil de discipline. Dans un cas qui m'a été déféré par l'inspection judiciaire pour un juge poursuivi pour des pratiques de corruption, j'ai utilisé ma prérogative qui consistait à arrêter le juge à la demande de l'inspection. Je ne peux pas le faire de moi-même. Et enfin, il est très important d'adopter la loi en cours de discussion au Parlement sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. On n'en a pas parlé. C'est une réforme d'ampleur parce qu'à ce stade, le toilettage est insuffisant. Au ministère de la Justice, nous avons préparé des observations très précises sur cette loi et nous avons pris des positions, j'y tenais moi-même, des positions très avancées pour l'indépendance de la justice, à tel point que des juges qui collaborent avec moi m'ont souvent reproché de renoncer aux prérogatives du ministre de la Justice. Mais le défi justement consiste à dire aux juges, voilà, on veut une justice responsable, on veut une justice qui est autonome. La justice libanaise est très attendue. Je pourrais parler tout à l'heure, si vous avez des questions, de cette loi et des principales dispositions qu'elle comporte. La justice libanaise est très attendue sur des dossiers vitaux dont j'ai parlé et surtout sur la lutte aussi contre la corruption. Nous avons voté au Parlement libanais des lois importantes ces 2 dernières années. On y avait beaucoup travaillé. Mais évidemment, sans une justice indépendante, efficace,
place toutes ces réformes ne servirait à rien. Et je vais, pour conclure, vous dire que cette crise de la justice libanaise, ces défis, c'est une question qui est éminemment politique. C'est une question de confiance dans les pouvoirs publics. Dans un système démocratique, le juge est au cœur de ce système. On pense souvent que la démocratie, ce sont les élections libres. Pour moi, la démocratie, c'est surtout le respect du droit, des institutions et de l'état de droit. Et aujourd'hui, au Liban, les voix des politiques sont discréditées, ce qui est normal. Là où les voix des politiques sont discréditées, le juge est appelé à faire entendre sa voix et à rétablir ce lien de confiance entre l'État et le citoyen. Seul, il ne peut pas le faire s'il n'est pas porté par une prise de conscience très forte, très aiguë de la part de l'opinion publique, de la nécessité de sortir, de renforcer l'État et les institutions, de faire cette révolution culturelle qui est très attendue et qui consistera à sortir de tous ces mini-États confessionnels qui sont les nôtres pour aller vers l'établissement d'un État digne de ce nom. C'est un chemin qui est très long, qui est très difficile, mais c'est le seul qui mérite d'être emprunté. Je vous remercie, j'ai été peut-être un peu longue, mais voilà un peu mes idées ramassées. Pas du tout, pas du tout. Merci infiniment, professeur Marie-Claude Najem, pour cette très informative présentation. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pouvait s'étendre, mais on est un peu pris par le temps. Avant de commencer et poser les questions, je voudrais informer les Rotariens et nos invités qu'ils peuvent poser leurs questions en appuyant sur le Q&A en bas de la page. Ils peuvent poser la question et on les prendra et on essaiera de répondre à toutes les questions si possible. C'est la raison pour laquelle, sans plus tarder, je vais commencer par ma première question. Alors, nous voyons quasiment tous les jours dans les médias exposer des affaires de corruption, d'escroquerie en bande organisée, de détournement de fonds publics, sans compter les assassinats et l'explosion du port. Tout cela reste impuni. Pas une seule condamnation. Comment expliquer que la justice soit à ce point impuissante ? Comment faire en sorte que cela cesse? Quel est votre engagement dans cette voie aujourd'hui que vous êtes libéré des contraintes du gouvernement? Je vous prierai de répondre si possible brièvement afin qu'on puisse prendre toutes les autres questions. Merci. Oui, aussi brièvement que possible. L'engagement ici en ce qui concerne la lutte contre la corruption, évidemment, je l'ai mené quand j'étais ministre et je continue à le mener, mais d'une manière différente aujourd'hui, parce que je pense que je suis appelée à faire aussi de la politique. J'ai une conception très large de la politique. Pour moi, enseigner, c'est de la politique, parce qu'il s'agit aussi de transmettre aux jeunes générations. Et donc, pour arriver à répondre à votre question, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut décortiquer pour pouvoir assurer cette lutte contre la corruption. Alors, des lois, on en avait. On les a améliorées. Là où il y avait des lacunes, on a quand même fait le nécessaire dans la loi sur l'enrichissement illicite qui a été votée l'année dernière. C'est une loi qui est une avancée par rapport à ce qui existait avant. Au gouvernement, nous-mêmes, nous avions voté des lois importantes et nous les avions déférées évidemment au Parlement, mais celles-là n'avaient pas été votées. Je pense qu'il y a un verrou fondamental qui est celui du secret bancaire. Et ce n'est pas pour rien que c'était vraiment mon premier combat. Et je crois que c'est celui qui m'a valu le plus d'attaques, à la fois de la part des politiques, mais aussi du secteur privé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la lutte que l'on veut faire contre la corruption, contre l'évasion fiscale, contre l'enrichissement illicite, etc., le secret bancaire, qu'on le veuille ou pas, est un obstacle, surtout dans un pays comme le Liban où tout est verrouillé, et je ne veux pas parler ici des institutions de la Banque centrale et de celles qui en dépendent. Mais ma première idée était de faire voter une loi, je vais prendre une minute et vous allez me la donner parce qu'elle est importante et qu'elle permet de répondre à votre question, une loi qui abolit totalement le secret bancaire. J'avais fait cette proposition, j'en avais parlé au cours d'une réunion importante au Parlement, donc d'une des commissions, une réunion des commissions mixtes, et j'avais essayé de faire ça au gouvernement. Je n'ai pas pu faire voter ce texte au gouvernement déjà au départ comme projet de loi. Et donc, je suis passée à un texte que nous avons adopté au gouvernement et qui allait très loin
puisqu'il ne se contentait pas de lever le secret bancaire sur les comptes des politiques, des fonctionnaires publics, mais aussi de tous ceux, bien sûr, qui avaient traité avec l'État libanais, donc qui avaient contracté avec l'État libanais, mais aussi de toutes les entreprises médiatiques et aussi de toutes les associations politiques et apolitiques. Alors évidemment, ce projet n'a jamais été voté en l'État par le Parlement. Nous avons pris aussi toutes les mesures de... exécutoire, les décrets d'application pour un certain nombre de dossiers. Nous avons voté, et je vais vous en parler pour arriver à la justice, des mesures administratives de lutte contre la corruption. Vous savez, on parle très souvent, lorsqu'on a évoqué le forensic audit, on nous disait, mais voilà, vous avez une vengeance personnelle avec la Banque centrale, pourquoi vous ne voulez pas faire un audit dans toutes les administrations de l'État ? Eh bien, on a le gouvernement dont je fais partie, à la fin du mois de mai, le 12 mai précisément 2020, a voté dans le cadre des mesures administratives un audit, et on avait commencé à l'appliquer, un audit, malheureusement on a démissionné, de tous les contrats, de tous les marchés publics qui ont été conclus avec l'État depuis 1991. Et des courriers avaient été envoyés aux administrations, à toutes les administrations, au Sanadiq, au Majelis, etc., pour qu'ils nous envoient une liste détaillée de tous ces contrats, de tous ces services qui ont été assurés pour que on puisse nommer une société d'audit ou plusieurs en fonction du nombre d'affaires. Alors, tout cela, c'est un travail préliminaire qui est censé aider la justice par la suite, parce qu'au vu des informations que vous allez obtenir, là, les juges sont censés agir, poursuivre et sanctionner. Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi les juges n'ont pas agi, n'ont pas poursuivi, n'ont pas sanctionné? Il me semble personnellement que les poursuites en réalité en matière de corruption comme en matière pénale de manière plus générale, elles commencent par les ministères publics. Ce sont les ministères publics, Niébet Lam, qui doivent agir. Les ministères publics, chez nous, ne sont pas aussi efficaces qu'ils devraient l'être, ont déçu les attentes de la population. Et lorsque le CSM était en train de préparer les teshkilet kada'i et les permutations judiciaires. Vous savez très bien, enfin les gens ne le savent pas, mais je peux le dire ici parce que c'est la stricte vérité, que je n'ai pas du tout interféré dans ce dossier, je n'ai jamais demandé qu'on mette tel juge à telle place. Il y a une chose seulement que j'ai dite avant de recevoir le projet. J'ai dit que les Libanais ne sont pas satisfaits de la performance des ministères publics. Et donc je pense qu'il serait bon de changer tous les ministères publics, mais de les changer tous pour éviter précisément le blocage qui viendrait d'une partie politique ou d'une autre et qui viendrait dire, voilà, vous avez changé des juges qui sont proches de nous et pas les autres, etc. Eh bien, changeons tout le monde et allons à des ministères publics qui peuvent lutter efficacement contre la corruption. Voilà, je pense que c'était une chance qui a été ratée, mais il n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut toujours le faire. Merci beaucoup pour cette réponse franche. Je vais passer à la deuxième question. Régime confessionnel ou laïque, le Liban est classé dans la tranche des pays les plus corrompus au monde. Cela a amené un grand nombre de responsables de faire de la lutte contre la corruption leur credo. Quelle a été votre expérience et votre lutte sur ce plan? Sur la lutte contre la corruption elle-même? Alors, je peux dire peut-être ici, pour éviter de parler seulement du politique, vous savez, la corruption, c'est quelque chose de très étendu, c'est devenu systémique dans notre État. Et elle n'est pas seulement le fait, évidemment, des autorités politiques. La corruption existe énormément dans le secteur privé, et on l'a vu tout récemment avec les monopoles, etc. Mais je pense que cette corruption, et c'est pour ça que cette question est intéressante, cette corruption qui existe aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé, parce qu'on le voit et les deux se nourrissent, et elle est quand même favorisée, elle est portée par le système confessionnel, politique et confessionnel qui est le nôtre. Alors, j'ai eu ce débat souvent avec des amis juristes qui me disaient que c'est séparé. On peut très bien avoir un système qui est le nôtre, le système politique confessionnel qui est le nôtre, et ne pas avoir de corruption à partir du moment où il y a des sanctions, etc. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'elle est quand même favorisée et alimentée par ce système politique. Pourquoi? Parce que c'est un système qui
à partir du moment où il favorise le clientélisme confessionnel, forcément va protéger les gens qu'il a placés ici ou là, c'est-à-dire les corrompus. Alors évidemment, pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Mais pour les corrompus, évidemment, leur protection, elle va venir d'où? Elle va venir de la partie politique, qui est en même temps la partie confessionnelle qui les a placés à tel ou tel poste. Donc les deux sont liés. Et c'est la raison pour laquelle structurellement, vous ne pourrez jamais faire une véritable lutte contre la corruption. Si vous ne cassez pas, petit à petit, on a un mur très épais, n'est-ce pas, dans ce système. On ne peut pas en sortir comme ça du jour au lendemain. Mais c'était toute ma bataille, peut-être parfois naïve à un certain degré, consistait à me dire, voilà, il faut essayer de faire des percées dans ce mur, des petites percées pour affaiblir le clientélisme, pour renforcer l'État, tout ce qui peut affaiblir le clientélisme politique et confessionnel et tout ce qui peut renforcer l'État. Et la corruption, comme tous les autres dossiers, c'est vraiment la même chose. Hein. Vous pouvez dire la même chose pour la protection des droits de l'homme. Sur toutes ces questions-là, je pense que je donnerai la même réponse. La difficulté, la vraie difficulté, elle est au cœur de notre système. Et si on ne va pas vers les racines de ce système, vers les racines du mal, on n'arrivera jamais à résoudre le problème parce qu'on n'aura pas fait le bon diagnostic, tout simplement. Très bien, nous allons passer à la question suivante. Avec toutes les procédures contre le gouverneur de la Banque centrale, comment se fait-il qu'il est encore en place? Qu'est-ce qui peut être fait qui n'a pas encore été fait? Pourquoi il n'y a pas eu de délation ni des lanceurs d'alerte? Alors, sur le gouverneur de la Banque centrale, il y a deux choses. Le gouverneur de la Banque centrale est en responsable de… je ne trouve pas le mot en français maintenant. Salem et Enoch del Watan, à force d'avoir parlé en arabe. Bon, il est responsable de la solidité, on va dire peut-être, de la monnaie nationale. Et à ce titre, il a exercé très longtemps ses fonctions. Et lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on a très vite fait face au problème suivant. Les Libanais n'arrivaient pas à leurs dépôts. Vous, moi, n'arrivons pas à nos dépôts. Dans les réunions avec les banques, avec les responsables des banques, avec l'association des banques, on leur disait, mais pourquoi vous ne donnez pas leurs dépôts aux Libanais? Pourquoi les Libanais n'arrivent pas à leurs dépôts? Ils ont répondu, mais notre argent, cet argent est mis à la Banque centrale. Très bien, il fallait voir donc d'où était parti cet argent, qui est l'argent des gens, qui est l'argent des déposants, qui est l'argent des Libanais. Et c'est là où on a eu deux problèmes, si vous voulez. Un manque de transparence, une opacité qui n'était pas nouvelle de la part de la Banque centrale, et ça, je peux le dire vraiment en toute sincérité. Et deuxième chose, un combat très féroce intenté contre le plan de sauvetage financier qui a été adopté par le gouvernement et dont payent aujourd'hui le prix tous les Libanais. Je ne dis pas que je vais vous dire pourquoi je parle de ça pour répondre à la question sur les poursuites, parce que c'est lié aussi, et vous allez voir comment le système, là encore, protège. Parce que sur les poursuites elles-mêmes, moi, mon but n'est pas de faire condamner telle ou telle personne. Il y a une présomption d'innocence et c'est à la justice de suivre son cours. Mais pour vous dire encore une fois comment le système est verrouillé. Et donc, lorsque ce plan de sauvetage financier a été adopté, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, dans tous les pays du monde, les gouvernements adoptent des plans, ils les appliquent, ils les exécutent, et ils sont ensuite jugés sur leur plan. Il n'y a que chez nous où on n'arrive jamais à exécuter ou à mettre en œuvre ce qui a été décidé. C'est le pays de la non-exécution. C'est ce qui fait que, au final, tout le monde arrive à sortir sans être responsable. Ceux qui ont fait un plan et qui ne l'ont pas exécuté diront toujours « on m'a empêché ». Et les autres diront « voyez, ils ont échoué ». Et c'est le drame de notre pays et c'est la même chose pour l'électricité, pour un certain nombre de dossiers. Donc, sur ce dossier-là, alors qu'en dépit de la crise ou des conflits politiques très forts entre les différentes composantes politiques, on a vu tout à coup un genre d'union sacrée pour casser le plan du gouvernement, pour faire en sorte, je ne vais pas refaire l'histoire, que ce plan ne soit pas exécuté. Et en face, on avait un gouvernement qui n'avait pas la force politique suffisante, hélas,
pour s'affirmer et qui n'a pas pu s'affirmer et mettre à exécution le plan. Alors évidemment, ça a été très rapide parce que le 4 août a tout entraîné sur son passage et donc on n'a pas pu s'inscrire sur le temps long. Par rapport à cette question, on voit un gouverneur de la Banque centrale qui s'est opposé à ce plan et qui, par ailleurs, mais de manière parallèle, a fait l'objet d'un certain nombre de poursuites, non pas au Liban. Les poursuites ont démarré à l'étranger, en Suisse plus précisément. Je ne vais pas parler du contenu de ce dossier, je n'en ai pas parlé d'ailleurs. Quand j'ai reçu le dossier, je suis restée tout à fait silencieuse et j'ai respecté mes prérogatives. Ce n'est que bien après que la presse a dévoilé les éléments de ce dossier. Alors, ces poursuites qui ont été engagées à l'étranger ont fait appel à la justice libanaise, à l'assistance de la justice libanaise pour obtenir un certain nombre d'informations. Donc, une fois que la justice libanaise a été sollicitée, donc le ministère public auprès de la Cour de cassation, elle a demandé elle-même, elle a fourni des informations, elle a demandé des informations et elle a demandé, je vous dis ça parce que ça a été dans la presse, donc je ne dévoile pas, et elle a demandé que les avoirs du gouverneur soient gelés dans un certain nombre de pays. Pourquoi on est arrivé à un blocage? Est-ce qui fait que, on ne voit pas de mesures prises, on ne voit pas de procédures qui continuent? Je pense tout simplement que la protection très forte, à la fois dans le politique, mais aussi dans le secteur privé, et peut-être, je ne sais pas, une certaine protection internationale dont bénéficie le gouverneur de la Banque centrale et le système qui a été édifié, est en train d'empêcher aujourd'hui une véritable mise en cause, mais en tout cas au moins un début de mise en cause. Alors, que peut faire le gouvernement libanais? Eh bien, le gouvernement libanais est responsable des biens des gens. Il est responsable de faire tout ce qu'il doit faire pour qu'au Liban comme à l'étranger, il puisse obtenir la restitution de tout bien mal acquis. Et je ne veux pas parler ici spécifiquement de la personne du gouverneur, mais de manière générale. Si dans une procédure au Liban ou à l'étranger, on arrive à un moment donné à un jugement qui montre que, voilà, il y a eu ici blanchiment d'argent, il y a eu détournement de fonds publics, il y a eu évasion fiscale, etc. Tout ça, c'est de l'argent que l'État libanais doit se faire restituer. Et si les procédures ont lieu à l'étranger, ça veut dire que l'État libanais doit aussi lui-même porter plainte à l'étranger. Et c'est ce que l'État libanais n'a pas fait pour l'instant. Et moi, j'ai demandé très spécifiquement, en m'appuyant sur une étude suisse qui a été faite par un cabinet suisse à la demande d'une association qui est l'ALDIC et qui nous a offert cette étude, j'ai demandé au gouvernement libanais, parce que j'ai envoyé ce courrier au président de la République, au président du Conseil des ministres récemment, c'était en septembre, là l'étude nous est parvenue récemment, que l'État libanais envisage les recours, les actions qu'il peut intenter à l'étranger pour la restitution des biens mal acquis à l'étranger. C'est important, pourquoi? Parce que si vous avez des procédures un jour à l'étranger actuelles ou à venir et qu'une personne est condamnée, eh bien, les fonds qui seront récupérés iront au trésor public de cet État étranger. Or, nous, on veut que les fonds soient récupérés par l'État libanais pour qu'on puisse les rendre aux Libanais qui ont été dépouillés. Voilà. On va passer à la question suivante qui, à mon avis, est d'actualité. Comment peut-on menacer le juge Bitar? Alors, comment peut-on menacer le juge Bitar? J'ai lu dans la presse, alors je n'ai pas d'informations spécifiques, j'ai lu comme vous dans la presse que avant-hier, il y aurait eu des menaces adressées au juge Bitar par l'intermédiaire de certaines personnes. Alors, ce sont des affirmations qui n'ont pas été confirmées. J'ai lu aussi que le ministère public avait demandé au juge Bitar de lui confirmer par écrit si ces informations étaient vraies, de lui donner les détails ou d'infirmer ces informations. Donc, évidemment, je suppose que si le ministère public le fait, c'est qu'il doit agir au cas où ces informations sont vraies. Si ces informations sont vraies, quelle que soit leur origine, évidemment, le juge doit être protégé. Quand je dis que le juge doit être protégé, ça ne veut pas dire qu'il doit être protégé dans ses décisions.
Ça ne veut pas dire qu'il doit être protégé parce qu'il a raison. Un juge peut se tromper. Il peut se tromper dans l'application de la loi ou autre. Là n'est pas la question. Le juge agit, c'est lui qui est maître de son dossier, c'est lui qui est responsable de son dossier. Mais la protection qui lui est due, au cas où ces menaces sont avérées, je ne parle pas de la protection physique que les autorités doivent lui assurer. Je parle de la protection que les institutions judiciaires doivent lui assurer. Et cette protection, il y a une institution qui doit la lui assurer, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui ne signifie pas, encore une fois, interférer dans le dossier ou donner raison ou tort au juge Bitard dans les mesures qu'il a prises, comme pour tout autre juge. Mais ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, adresser le message que j'ai moi-même adressé d'ailleurs depuis le début et qui consiste à dire un juge est responsable de son dossier, il prend les mesures qu'il juge, lui, correctes et utiles pour son dossier. Il appartient à toute personne d'utiliser les moyens juridiques dont elle dispose, toutes les personnes concernées pour se défendre. Mais mettons toutes les politiques, toutes les menaces, toutes les entraves, évidemment, de côté et restons tout simplement dans le dossier. Je pense que c'est une protection juridique qui doit être assurée à tout juge de la République. Merci. On va passer à la question suivante. À votre avis, la séparation des pouvoirs n'est pas consacrée au Liban, donc le pouvoir judiciaire ne réussit pas à bien assumer son rôle. Quelle serait donc la situation ou, disons, un espoir de solution pour changer ce système qui s'avère comme très inefficace? Deux choses. D'abord, un changement. Alors, la séparation des pouvoirs, elle est consacrée, évidemment, dans les textes, mais il faut qu'elle soit effectivement mise en œuvre. La première chose, c'est le vote de la loi sur l'indépendance du judiciaire. Elle est actuellement en cours de discussion au Parlement. La version que nous avons reçue, qui est la seule version écrite que nous avons reçue, celle de la commission de la sous-commission qui émane de la commission de l'administration et de la justice, c'est une version sur laquelle nous avons beaucoup d'observations et qui, par endroits, réalise des avancées et par endroits, au contraire, est critiquable. Et nous avons formulé des observations pour que cette loi soit, j'ai même demandé à la commission de Venise, qui est une commission spécialisée au sein du Conseil de l'Europe, de nous donner son avis sur cette loi et pour vérifier effectivement qu'elle est conforme aux critères internationaux d'indépendance du judiciaire. Donc ça, c'est un premier défi. Il faut que cette loi soit votée, mais il faut que ce soit une bonne loi. Non pas se précipiter pour faire une loi qui ne serait pas une loi adaptée, mais il faut cette loi. Alors, c'est évidemment tout à fait insuffisant. Le deuxième point qui est nécessaire ici pour assurer cette séparation des pouvoirs, c'est quand même un positionnement du judiciaire lui-même. Il faut qu'à un moment donné, moi j'ai parlé à plusieurs reprises de l'intifada de la justice et j'ai appelé les juges à faire cette intifada, à se révolter eux-mêmes individuellement, mais surtout dans leurs institutions, contre les pratiques qui les enferment eux-mêmes dans ces carcans. Tant que les juges n'auront pas fait cette intifada, il faut pas s'attendre, n'est-ce pas, à des percées significatives. Et troisièmement et dernièrement, je crois qu'ici la solution est reliée quand même, encore une fois, à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je ne veux pas me répéter, à tout ce qui peut servir à casser ce système qui est en train de nous casser tous les jours, c'est-à-dire à renforcer l'État. Nous allons passer à la question suivante. Concrètement, par quelle première démarche ou changement des lois pour pouvoir assainir et immuniser l'indépendance théorique de la justice? Alors, sur les lois, il y a déjà des choses qui ont été faites. Nous avions, par exemple, procédé à une modification d'un texte de loi qui sanctionne les interférences, notamment les interférences des politiques dans la justice. Et nous avions aggravé les sanctions dans ces textes. La deuxième loi, bon, je viens d'en parler, évidemment, c'est
la loi sur l'indépendance du judiciaire, une troisième loi importante qui pourrait être votée, qui faciliterait beaucoup l'action de la justice, ce sont toutes les lois qui annuleraient, ou en tout cas supprimeraient toutes sortes d'immunités, etc., parce que les immunités sont effectivement un obstacle aux poursuites judiciaires. Donc ça, ce serait quelque chose de bénéfique. Il y a des textes en cours de discussion au Parlement depuis des mois. Donc je pense que ça peut beaucoup faciliter les questions. Et puis, bien sûr, la question du secret bancaire, la loi dont je parlais tout à l'heure, moi, je serais ravie si le Parlement pouvait voter la loi que mon gouvernement lui a déférée le 26 mars 2020. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsque la loi sur le secret bancaire a été votée en 2020 au Parlement, j'étais présente moi-même au Parlement lorsque les députés ont décidé, comme ça en 3 secondes, de supprimer une phrase de cette loi qui consistait à lever le secret bancaire à l'égard des juges, qui était l'apport principal, évidemment, de la loi. Donc, imaginez-vous la réponse qui a été donnée. Donc, parce que j'étais très surprise, je me suis retournée vers le président de l'Assemblée nationale, vers les députés, et des députés s'étaient levés, avaient commencé à dire « Non, nous n'acceptons pas la levée du secret bancaire à l'égard des juges parce que nous n'avons pas confiance dans la justice. » Alors, c'est très curieux pour deux raisons. Un, parce que on est en train de confier à la justice le sort de nos biens et le sort de nos vies. Les juges ont entre leurs mains nos biens et nos vies lorsqu'il s'agit du droit pénal. Alors, on ne va pas leur confier le droit de pouvoir obtenir la levée du secret bancaire. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ça me paraissait très paradoxal, pour ne pas dire plus, que les forces politiques elles-mêmes qui interfèrent dans la justice viennent s'opposer au prétexte de politisation de la justice à donner ce pouvoir à la justice. Merci. On va procéder à l'avant-dernière question. Il y aura 7 questions et la dernière question qui sera posée par le président. Alors, je commence par celle-là et s'il vous plaît, si on peut succinctement pouvoir y répondre. Faut-il mettre fin à la différence existant entre la justice religieuse et la justice civile? Êtes-vous en faveur du maintien de ce système qui estime que certaines matières relevant autant de la compétence des autorités religieuses, entre parenthèses, matière familiale, etc. Et le Liban a-t-il besoin d'un seul système judiciaire unifié, d'après vous? La réponse est très simple, elle est très directe. Je suis favorable à une loi civile sur le statut personnel. Et je dirais même plus, c'est une porte d'entrée vers ce dont je parlais tout à l'heure qui consistait à casser le système confessionnel. D'abord parce que c'est quelque chose qui rassemblerait les Libanais. Quand on naît, qu'on meurt, qu'on se marie, qu'on divorce, etc., de la même manière, on supprime les barrières qui peuvent exister entre les citoyens. Imaginez seulement qu'au Liban, entre membres d'une même famille, si on est de confession différente, on n'hérite pas, et qu'il y a certains mariages qui ne peuvent pas être célébrés au Liban même. Donc, j'y suis profondément favorable. Ça, c'est un premier point. Deux, j'ai pris position très clairement lorsque j'ai été sollicitée d'ailleurs par les avocats de Abdallah Salam et Marie-Jo Salam sur leur, alors c'est quelque chose d'un peu particulier, mais sur le fait d'inscrire le contrat de mariage qu'ils ont fait auprès du notaire comme étant un mariage, j'ai envoyé un courrier approuvant cette demande, et évidemment la décision est entre les mains du ministère de l'Intérieur et in fine de la justice libanaise. Donc bien sûr je suis totalement favorable à ce système parce qu'il est intrinsèquement lié au caractère civil de l'État. Alors là, nous allons passer à la dernière question et je laisse la parole à Président Rony Farah pour vous la poser. Vous avez dit que vous avez demandé l'aide de ONG pour réparer les palais de justice. Comment est-ce que le Rotary peut aider à réparer les palais de justice et à qui faudrait-il s'adresser ?
Alors, à la direction générale du ministère de la Justice, ce serait magnifique si le Rotary pouvait nous aider, parce qu'en fait, nous avons, au palais de justice de Beyrouth, nous avons un certain nombre de dommages qui résultent de l'explosion du 4 août. Donc, on a fait réparer pour l'instant le plus urgent, mais il y a encore des dommages. On a des problèmes dans les différents palais de justice, notamment à Baabda, à Baalbek, mais ailleurs. On a des générateurs qui sont en panne. Et si le Rotary pouvait aider. Alors, il y a d'autres projets, parce que je ne sais pas si vous savez, mais on a informatisé un certain nombre de salles de tribunal pour pouvoir faire des audiences électroniques qui ont commencé, mais qui ensuite, du fait de l'électricité, ont été interrompues. Alors ça, c'est fondamental. Pourquoi j'insiste sur la question de l'électricité, des générateurs et du mazout? Parce qu'aujourd'hui, l'état d'effondrement financier est tel qu'on n'arrive pas toujours à assurer, je pense notamment au pénal et aux personnes qui sont arrêtées, qui sont en détention préventive. Le fait de ne pas avoir parfois un véhicule des forces de sécurité intérieure pour transporter ces personnes au palais de justice lorsqu'elles ont leur audience fait que le juge est obligé de reporter l'audience. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place, avec des donations, notamment de Yuan Odissi et de l'agence turque, etc., des salles pour faire des interrogatoires en ligne. Or, si nous n'avons pas l'infrastructure adaptée, si nous n'avons pas tous les générateurs qui fonctionnent et si nous n'avons pas le mazout, ça ne peut pas marcher. Et pour moi, c'est une question qui me tient énormément à cœur parce qu'elle touche aux droits fondamentaux des citoyens et des personnes qui sont notamment très souvent de jeunes, qui sont dans les prisons libanaises, qui pourrissent dans les prisons libanaises avec des procédures qui déjà auparavant étaient lentes et depuis la pandémie ont été évidemment retardées. Donc, si vous pouvez nous aider, ce serait magnifique pour la justice libanaise et surtout en réalité pour les Libanais eux-mêmes, parce que c'est ça ce qui compte. Merci. Merci infiniment, professeur, pour votre excellente intervention. Je suis certain que les choses sont beaucoup plus claires pour des personnes. Et je pense qu'il y a plein d'autres questions qui ont été posées. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à répondre à toutes ces questions. Cependant, nous vous les ferons parvenir et peut-être que vous pourrez répondre directement à ces personnes concernées à travers le Rotary. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous les participants. Alors, il y a le président Rony, s'il te plaît. Oui, nous aimerions remercier le professeur Marie-Claude Najem. Le club a l'honneur de lui remettre ce certificat d'appréciation. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. C'était très intéressant et dommage qu'une heure ne suffit pas pour connaître toutes les intentions, les bonnes intentions que tu avais et tout le travail que tu as fait au ministère. Merci beaucoup. Merci Ronnie, Rodolphe et tous les participants pour ce moment. On aura peut-être d'autres occasions et peut-être des occasions de pouvoir discuter aussi en présentiel. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci infiniment. Simplement pour informer nos membres que la semaine prochaine, nous avons, le 6 octobre, nous avons M. Issam Azouri qui parlera du Controlling Food Loss and Food Waste in Lebanon, a National Duty and a Personal Action. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore une fois, professeur Marie-Claude Najem, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.